Bonjour, nouvelle chanson défi. Aujourd'hui, c'est Aurélia qui m'impose ces 5 mots. Les mots d'Aurélia sont les suivants. Amour, potager, bienveillance, abeille, plaisir. Comme chaque jour, j'en ai fait une chanson que voici. Le jardin, c'est mon loisir. Me salir les mains, c'est mon plaisir. Je fais pousser des fleurs, toi des légumes. On n'a pas les mêmes valeurs, le même costume. Mais la guerre, c'est pas mon truc. C'est un réflexe vulgaire chez les trouducs. Moi, je suis pour la paix dans ce village. Je milite pour le respect dans les ménages. J'irai pas, 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 j'irai pas, 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 j'irai pas toger. Dans ton pot, 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 dans ton pot, 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 dans ton potager. Par amour, je ferai pousser une belle plante glamour, une orchidée. Et toi, en échange, que feras-tu? J'ai une grosse envie d'orange, j'aime les agrumes. Si tu veux, je t'apprendrai comment rendre heureuse ta bien-aimée. Avec les lilas que tu vas semer, il n'y a pas que le chocolat pour se faire aimer. J'irai par, 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 j'irai par, 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 j'irai partager. Dans ton pot, 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 dans ton pot, 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 dans ton potager. Les abeilles sont mes amies, elles sont très fidèles, pas de bigamie. C'est mon exigence, ma mission d'âme, j'aime l'idée de bienveillance pour une seule dame. Si tu me trompes effrontément, pas de fusil à pompe, c'est pas mon genre. Je te le ferai regretter, tu vas souffrir, tu n'as pas fini de pleurer, tu vas défleurir. J'irai sac, 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 j'irai sac, 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 j'irai saccager. Ton petit pot, 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 ton petit pot, 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 ton petit potager. Est-ce que tu as, ah, ah, est-ce que tu as, ah, ah, est-ce que tu as aimé ma chanson sur le pot, 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 sur le pot, 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 sur le potager? Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de me laisser un commentaire. Surtout si tu veux participer au grand jeu de l'été des chansons défi en m'imposant tes 5 mots. Est-ce que tu veux apprendre à faire des chansons? Tu vois, c'est pas très difficile, enfin ça paraît pas très difficile, mais évidemment quand on n'en a jamais fait, ça paraît ardu. Je me rappelle que la toute première fois que j'ai fait partie d'un groupe d'écriture de chansons, en 1h30 avec une autre auteure, on avait réussi à écrire un texte, ouf. Et en fait, un autre groupe, en 1h30, ils avaient tout fait, les paroles, la musique, l'interprétation, s'accompagner à la guitare, et je voyais les images passer devant les yeux, je me disais, mais c'est fabuleux, quoi. Comment est-ce qu'on peut écrire une chanson aussi belle en aussi peu de temps? Et bien finalement, c'est ce que je fais tous les jours maintenant, parce que évidemment, j'y passe pas 8 heures par jour, hein, sinon je ferais pas que ça, quoi. Je ferais pas une chanson par jour, c'est pas possible, quoi. Non, en fait, en 2 heures, c'est bouclé, quoi. C'est-à-dire les paroles, la musique, l'interprétation, l'enregistrement. Après, bon, moi j'ai un petit peu de montage à faire pour faire un petit clip marrant, quoi. Mais toi, évidemment, c'est pas ce que tu recherches. Si ça t'intéresse d'apprendre à écrire et à composer des chansons, tu cliques sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu seras redirigé sur le programme du stage. C'est un stage en ligne, en 6 jours. Il y a 30 heures de stage puisqu'il y a 5 heures par jour. Donc, c'est 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et donc, à l'issue de ces 30 heures de stage, tu auras tout le bagage nécessaire pour faire tes propres chansons. Ce ne sont pas des cours théoriques, pas du tout. Si tu me connais un peu, tu dois savoir que moi, ce que j'aime bien, c'est la mise en pratique immédiate. Donc, quand il y a la théorie, en fait, la théorie, c'est quoi? C'est simplement l'explication qui va te permettre de créer tout de suite des textes, des mélodies, etc. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est que tout au long du stage, on crée des chansons ensemble. C'est un stage en petit groupe, on se voit via webcam, et donc on communique ensemble. Moi, je vous donne toutes les indications,
et puis chacun travaille de son côté, ensuite on confronte nos idées et on avance ensemble. Et bon, après évidemment, l'objectif c'est que tu sois autonome à la fin du stage. À la fin du stage de 30 heures, tu seras parfaitement autonome. Ok ? Donc n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, de me laisser un commentaire avec tes 5 mots si tu veux participer au jeu. Ou si simplement tu veux me dire ce que tu as pensé de la chanson, me donner un petit avis sympatoche. Et puis si tu veux participer au stage, ou en tout cas te renseigner sur le stage, n'oublie pas de cliquer sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour un autre défi, une autre chanson défi avec 5 autres mots imposés. Allez, à demain !